Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente un panier Togo. Donc c'est un panier fruits et légumes que j'ai déniché et je vais vous montrer en fait ce que j'ai eu. Donc j'ai eu pas mal de choses, vraiment pas mal de choses, donc là j'espère que la luminosité elle est meilleure. Donc là je suis dans ma cuisine, ça résonne un peu mais bon bref. Et je suis toujours accompagnée de ma fille parce qu'on va chercher les paniers Togo ensemble. Donc, on va partager pas mal de produits. Donc, voilà. Là, je vous montre en fait ce qu'on a eu. Donc, là, le panier, je l'ai pris chez Migro et j'ai payé 4,90 au lieu de 15. Donc, voilà. Après, dans la semaine, peut-être que je reprendrai un autre. Mais là, je crois que j'ai tout ce qu'il faut en fait pour la salade parce qu'il m'en reste encore ce que j'ai pris la dernière fois. On n'a pas mangé, donc voilà. Mais je vous montre ce que j'ai eu. Donc j'ai eu des petites tomates cerises comme ceci, ce sont des tomates bio. Et franchement, elles ont l'air en bon état. Hein. Là, voilà. Franchement, elles ont l'air en bon état. Je pense que c'est juste parce qu'ils sont verts. Voilà, je pense que le petit panier a été cabossé, donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, c'est très très bien. Vas-y. On a eu un avocat. Avocat bio en plus. Bio, ouais. Il est bien mûr en fait. Je vais le manger. Peut-être pas ce soir, mais demain, il sera mangé de toute façon. Je suis désolée pour ma tête. Là, c'est blindé. Donc là, je me suis même pas coiffée. Donc, je me suis coiffée ce matin. Et, bref, ça fera l'affaire. Donc, j'ai eu deux poireaux. Donc, ma foi, ils sont en bon état. Hein, donc, voilà. À part ceci, les feuilles vertes, je ne les mange pas de toute façon. Je les coupe à ce niveau-là et je prépare la soupe. Soit la soupe, soit une tarte aux poireaux. Je peux faire ça. Mm-hmm. Hein. Et j'ai des courgettes aussi que j'ai eues la dernière fois. Je ne les ai toujours pas mangées. Ils sont dans le frigo. Donc, je pense que je vais faire un petit mélange. Je ne sais pas, je verrai. Ou que une tarte aux courgettes. J'en ai que deux. Alors. Peut-être que je vais faire une tarte au poireau. Et j'ai eu aussi des oignons nouveaux comme ceci. Donc il y a trois pièces. Ça, je sais que c'est dans les 2 francs en fait, l'unité. On a eu une salade. Ah, j'ai la même la dernière fois, je ne vais pas manger. Là, c'est la laitue et romaine. Voilà. Romaine. Donc ça, c'est 1,60 €. C'est 1,60 €, mais elle est vraiment en bon état. Et j'ai encore mes mains, c'est parce que, en fait, vous voyez, le panier, il est déchiré. C'est pour le panier. Le paquet, il est déchiré, c'est pour ça. Mais sinon, c'est vraiment en très, très bon état. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai eu 2. C'est pas de la fenouille, c'est du... Ah, là, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du nom. Je ne sais même pas comment ça se fait. Je ne sais pas. Je vais voir. J'en ai eu 2. Vas-y. On a eu 2 raisins. Donc, un duo de noir et blanc. Donc, ils sont en bon état. Ils sont en très bon état. À mon avis, il y en a quelques-uns qui étaient sans manger dans le magasin. Et là, c'était raisins sans pépins. Donc, c'est très bien. Donc, on va partager aussi. On a eu des citrons, donc il y en a un qui est un peu abîmé, j'ai vu. Donc 4 citrons bio cette fois-ci, 750 grammes, donc ça peut faire l'affaire. On a eu des clémentines, donc c'est juste parce que le sachet était ouvert, peut-être qu'il y en avait 2 ou 3 qui... Peut-être qu'il en manque, hein, mais... Elles ont l'air bonnes. Elles ont l'air en très bon état. Même. Voilà. Alors là, j'ai eu encore un chou chinois, donc j'en ai encore un au frigo, donc que j'ai eu la dernière fois, je n'ai pas encore mangé. Donc là, j'en ai un deuxième, voilà. Là, on a eu du poivron jaune, orange et rouge. Aujourd'hui, j'étais chez Migros, donc vous verrez en fait le retour de course avant cette vidéo-là. Donc j'étais chez Migros et je me suis dit, je n'ai pas pris du poivron, mais je dis, je ne vais pas le prendre et j'ai bien fait, donc là j'ai du poivron. Alors, on a eu des pommes de terre, donc ce sont des pommes de terre. Alors, j'ai vu l'étiquette,
C'est parce que le sac il est déchiré. C'est quoi la dernière fois? C'est la pomme de terre. Ah, parfait. Ouais, voilà. Et la dernière fois, j'ai eu 1 kg. Là, j'ai 2,5 kg. Donc, 2,5 kg. Et là-bas, j'ai eu 1 kg. Donc, les 1 kg, je vais faire ce que j'ai, je vais faire demain avec les poissons. Je vais en rajouter si vous les voulez. Mais voilà. Je pense que ça va pas les boulettes. Ouais, voilà. Et pour finir, on a eu un duo de chou-fleur et de brocoli. Donc, voilà. Donc, c'est 240 grammes. Oh, c'est et bien. Ça, normalement, il coûte 3,89 francs. Le duo, donc voilà. Et c'est vrai qu'ils sont petits, mais après, je peux les rajouter un patin ouais. Ou voilà, quelque chose. Donc, je vais faire avec. Et on a eu 3 bateaux. Enfin, ça, je les ai achetés. On a pris des fraises. Donc, on en a pris 3. Donc, c'était à moins de 50%. Donc, ça, je trouvais que c'était intéressant. Et ça sent super bon. Ouais. Ça sent vraiment très très bon. Ouais, on a une qui est un tout petit peu, mais c'est pas grave, elles sont belles. Elles sont vraiment belles, donc je sais pas si vous voyez. Et ça sent super bon. La dernière fois, quand j'ai acheté, en fait, elles étaient très très bonnes, très sucrées. Et franchement, c'est comme ça que je les ai pris. Non, moi je les mange comme ça nature, j'aime mieux. Je veux pas de chantilly. Donc voilà pour ce panier tout beau tout beau. Donc là cette semaine là je vais pas refaire des courses. Donc on ira en fait juste demain pour prendre, non pas demain, samedi pour prendre le pain. Et ça va faire l'affaire en fait parce que j'ai des choses encore dans le frigo et dans le congélateur. Mon congélateur il est blindé donc comme on n'a pas touché en fait pendant les travaux. Là, je vais commencer à... Parce que j'avais juste stocké et je n'ai rien mangé en fait parce que je ne pouvais pas préparer les plats. Mais là, je pense que je vais commencer à préparer les plats. Et voilà. J'ai toujours pas encore tout installé. Donc, quand vous entendez ça résonne, je n'ai pas installé encore ma table et mon petit meuble. Donc, j'hésite à les changer. Je pense que je vais faire ça. C'est pour ça que... Je vais attendre maintenant, je vais faire sur le plan de travail en fait ce que j'ai à faire et je m'en passerai de la table parce que on en a une grande table dans la pièce où il y a la salle à manger donc c'est pas urgent donc ça presse pas. Que je l'emmène ici, que je remets la table à sa place. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce panier Togo. Moi, je suis vraiment satisfaite. Hein. Toujours. Il y a de tout, voilà. C'est varié. Voilà, on a un peu de tout. Et franchement, c'est très bien. Avec les paniers Togo, c'est bien parce qu'on va avoir des trucs qu'on ne va jamais avoir l'idée d'acheter. Ça, si ça, on ne l'aurait pas eu, je sais pas comment c'est peut-être qu'on n'aurait jamais acheté. J'ai oublié. Si, mais moi je les vois dans le magasin, mais j'achète jamais. Après, si vous avez aussi des recettes avec. Ouais, je sais pas c'est quoi. Je suis prenante. Voilà, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est pas de la fenouil. Non, c'est pas de la fenouil. La fenouil elle est blanche. C'est pas ça. Je sais pas. J'ai oublié. Bon, bref. Mais c'est là que c'est ça et quoi. Pourquoi? C'est là que c'est de la fenouil et que. Non, c'est pas de la fenouil. C'est pas de la fenouil. Non, c'est blanc. La fenouil elle est blanche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez des pouces bleus pour nous encourager. Je vous fais très très gros bisous et on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.